La salle des guichets de la gare centrale est vide, complètement vide. Et quand on demande un billet pour une ville luxembourgeoise comme Remiche par exemple, voici ce qu'on nous répond. C'est déjà gratuit aujourd'hui, donc vous avez bien le droit de voyager gratuitement avec le bus 175 jusqu'à Remiche. Alors, sur les quais, difficile de rencontrer des voyageurs mécontents. C'est magnifique et j'espère que tout le pays dans l'Europe prend la même décision que Luxembourg. Ça, ce n'est pas sûr, car cette décision de rendre tous les transports en commun gratuits a évidemment un coût, 40 millions d'euros. Il n'y a rien qui est gratuit, donc ça passera via les impôts et puis voilà. Tout ce qui ne vient pas via les billets devrait être payé autrement. En tout cas, cette décision a attiré de nombreux médias étrangers. Le ministre de la Mobilité enchaîne les interviews. Pour lui, ces 40 millions, finalement, ce n'est pas grand-chose par rapport aux futurs investissements. On investit sur 8 ans, on investit 4 milliards d'euros dans l'extension du réseau ferroviaire. Ça représente par tête habitant 600 euros par an. Si vous comparez ça avec les autres pays européens, l'Allemagne, par exemple, se trouve à 66 euros par habitant. Bref, tout le monde content ? Eh bien non. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le principal syndicat des cheminots n'apprécie pas cette mesure, pourtant sociale. On est contre la gratuité des transports parce que ça vient trop vite. Si on a aujourd'hui une augmentation de 10% de voyageurs pendant les heures de pointe, on est au-dessus de nos capacités. Mais la gratuité va-t-elle vraiment entraîner une augmentation du nombre de passagers ? Les avis sur cette question sont partagés.